les gars, voilà, c'est toujours moi de Samospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Actuellement, il y a afflux de bourses. Voilà, comme je vous l'avais dit, actuellement, il y a des pays qui ont su maîtriser la crise sanitaire. Donc, tous ces pays-là vont essayer d'envoyer des lettres, des bourses dans tout le monde entier. Donc, il faudrait que vous soyez là. Même si vous allez, cette année, vous allez postuler à 80 bourses, essayez de les faire. Mais je n'ai pas dit de postuler parce qu'il faut postuler. Postuler dans le bon sens. Ne venez pas seulement disposer vos dossiers, vos documents sur Internet. Postulez normalement. Voilà, parce que je sais qu'il y a plusieurs qui ne postulent pas. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui encore, je vais vous parler de la bourse de la Turquie. Actuellement, ils essaient, toutes les universités essaient de s'appliquer en ce qui concerne des bourses. Donc, il y a au moins 9 bourses comme ça, 9 universités qui se sont réunies, voilà, en ce qui concerne la Turquie. Et ils ont essayé comme ça de créer des bourses pour des étudiants étrangers. Et n'oubliez pas, tout le monde peut postuler. Voilà. Et essayez un peu d'oublier les histoires, ces histoires de moyenne, de notes. Parce que ce qui compte en réalité, c'est quoi? C'est la lettre de motivation. Moi, je mets toujours l'accent sur la lettre de motivation. Parce que moi, j'ai mes expériences, voilà. J'ai eu aussi mes débuts, j'ai mes expériences et je sais comment ça fonctionne. Parce que la lettre de recommandation et la lettre de motivation, ça compte énormément. Et en ce qui concerne ces 9 universités qui sont réunies pour donner une bourse, voilà. En ce qui concerne aussi les critères sur le thème anglais, voilà. Les histoires de TFL et SS, vous n'avez pas besoin de ça pour ces universités-là. Voilà, ce dont vous avez besoin est très simple et très clair. Vos diplômes. Maintenant, en ce qui concerne les moyennes et ou bien les notes, ou bien aussi le titre d'anglais, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir, vous devez traduire vos documents en anglais. Voilà, quand il dit documents en anglais, en particulier, les documents, c'est-à-dire le diplôme, doit être en anglais. N'oubliez pas, le diplôme et les relevés doivent être en anglais. Voilà. Et pour prouver que vous avez fait au moins de l'anglais, ou bien vous avez fait au moins des matières anglaises là-bas dans votre université ou bien dans votre collège, voilà, vous devez seulement demander une lettre d'admission soit à votre université ou bien à votre prof d'anglais. Voilà, ça je précise très bien, à votre université ou bien à votre prof d'anglais. Voilà, donc avec ça vous pouvez compléter ce document ou bien cette lettre va remplacer le titre TFL ou bien le titre SS, vous comprenez. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, la partie dont moi je suis censé parler, les histoires de moyenne, et ne vous accentuez pas beaucoup sur ça. De toute façon, vous ne pouvez rien faire parce que vous avez déjà vos moyennes. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous essayer de vous casser la tête par rapport à ces moyennes. Si vous avez 10 de moyenne ou bien 11 de moyenne, vous l'avez déjà eu. Vous ne pouvez pas. Donc est-ce que parce que j'ai 10 de moyenne ou bien 11 de moyenne, je vais pas postuler aux bourses que je vois sur internet? Non, vous allez postuler parce que vous n'avez rien à perdre. Voilà, donc il y a des choses, vous me posez encore des questions alors que vous ne pouvez pas changer vos choses, vous ne pouvez rien changer. Voilà, vous avez déjà vos moyennes, alors postulez. Par exemple comme ça, moi je donne l'anecdote sur un ami, voilà, et je fais en même temps un big up à cet ami là et puis je fais aussi un big up aussi, je vais en profiter, je fais aussi un big up aussi à, je crois à Zara, voilà, Zara elle est au Bénin, c'est mon admin, voilà, elle est au Bénin, et aussi à Nkuga, je crois bien, lui aussi il est au Cameroun. Et je crois bien, il y a aussi Matongo, je crois. Matongo, voilà, il est au Congo. Et il y a l'autre aussi. Bon, je vais prendre une bonne liste. Et puis la prochaine fois, je vais donner vos noms. Voilà, parce que il faudrait qu'ils soient reconnaissants. Il faudrait que je vous dise aussi merci. Parce que si tout se passe bien, peut-être c'est grâce à vous aussi. Voilà, c'est vrai que les années antérieures, j'ai eu aussi des amis comme ça. Mais d'autres ont voyagé, d'autres ont fait ceci. Donc. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc ce que j'ai dit, c'est quoi? La lettre de motivation, elle est très importante parce que l'anecdote, c'est quoi? Moi, actuellement, quand nous on était en terminale, par exemple comme ça, voilà, actuellement en terminale, quand nous on était là-bas, on nous avait proposé comme ça une bourse là-bas au Maroc, voilà. Et je vous dis cela parce que en réalité, c'est vrai que les moyens comptent, mais il faut aussi la lettre de motivation. Voilà. Donc, j'étais allé avec mon ami. On avait croisé comme ça un monsieur. Voilà. Nous, on étudiait. Et puis, il est venu. Il a dit, bon, est-ce que
vous êtes en quel. Vous êtes. Moi j'étais dans un lycée et l'autre aussi, dans un, lui aussi il était dans un lycée. Donc on s'était vu comme ça dans un endroit pour pouvoir traiter quelques exercices. Voilà. C'est vrai, on était en série C, on était en terminale C, on faisait les mathématiques et physique. Donc quand il nous a vu, il nous a dit bien, ok, c'est bien et tout ça. Donc je vous donne l'adresse. Voici l'adresse qu'elle a. Comme vous êtes actuellement en terminale, vous allez postuler sous couvert du baccalauréat. Donc il nous a donné quoi l'adresse. Il nous a donné aussi des éléments, les éléments qu'on doit consulter pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir aller déposer là-bas pour avoir une bourse. Vous comprenez? Donc la bourse était destinée pour les étudiants, mais on devait aller au Maroc. Donc moi j'ai, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a fini d'étudier, on a réuni les documents un bon vendredi ou bien un jeudi là, on s'est réuni et puis on est allé ensemble. Donc quand on est allé ensemble, il y avait des documents qui manquaient. Et c'était la lettre de motivation. Voilà. C'était la lettre de motivation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde. Voilà. Je suis allé sur le net. J'ai vu la lettre de motivation. Moi, je vivais seul. Et alors que lui, il vivait chez son oncle. Et je vous retiens très bien parce que son oncle était un ancien prof de lycée, un professeur de français. Voilà. Un ancien prof de lycée. Alors que moi, j'avais plus de moyens que lui. Voilà. Moi, j'avais vraiment plus de moyens que lui. Et. Lui, il n'avait pas assez de moyens, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés, moi je suis allé à la maison, j'ai vérifié sur internet, j'ai vu une lettre de motivation, comme la façon dont vous, tout le monde fait ici, il sait, je le sens, voilà. Quand vous voulez postuler, vous allez sur internet, vous voyez la lettre de motivation, vous prenez la lettre, vous remplacez ce que vous devez remplacer, vous collez, voilà, c'est ce que vous faites. C'est ce que moi aussi j'ai fait quand j'ai commencé, voilà, ça je vais pas vous mentir, c'est ce que moi aussi j'ai fait. Et j'ai fini de faire la lettre de motivation et tout. Lui, il finit sa lettre de motivation. Mais quand vous lisez sa lettre de motivation avec moi, avec la mienne, il y a vraiment une très grande différence. En fait, je n'ai pas compris comment est-ce qu'il a fait pour rédiger. Mais je n'ai pas demandé aussi. Voilà. On a fini et on a déposé la lettre. Vous comprenez? On a déposé nos lettres et tout ça. On a déposé nos diplômes. Pas le diplôme, mais les relevés qu'on avait. Et lorsqu'on a eu le bac, le baccalauréat et tout ça, on était bien content et tout. Le monsieur nous avait dit, bon, une fois que vous avez eu le baccalauréat, venez tel mois pour voir comment ça se passe. Donc, c'est fini, on est arrivé là-bas. Mais je vous assure et je vous redis encore, je vous assure que mon ami était en tête de liste. Il était en tête de liste, alors que moi, je me retrouvais avec une bourse partielle. Vous comprenez? Et une bourse partielle, c'est pas une bourse comme la moitié, je devais payer la moitié et tout ça, non. C'était une bourse où je devais payer les deux tiers même de la scolarité, vous comprenez. Donc j'étais un peu coincé. Donc il était le seul à partir, alors que moi, étant donné que j'avais pas assez de moyens, donc je suis resté, vous comprenez. Donc j'étais resté et je n'ai pas compris. Après, il m'a expliqué que en fait, c'est son oncle qui a rédigé la lettre de motivation. Pourquoi? Parce que en fait, son oncle sait que la lettre de motivation, c'est le plus grand élément que vous devez faire. La lettre de motivation doit le lecteur, il doit ressentir que vous avez vraiment besoin. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin? Et pourquoi? Vous comprenez? J'espère que vous comprenez un peu l'esprit. Donc, les histoires de moyennes, ça peut compter, c'est vrai. Mais si vous avez déjà vos moyennes qui s'élèvent à 11 ou bien 12 ou bien 10, vous n'avez pas le choix que de rédiger une bonne lettre de motivation. Voilà, donc je vais vraiment vous dire en ce qui concerne la lettre de motivation, elle est très, très importante. Alors, pour pouvoir postuler à ces bourses-là, voilà, c'est 9 universités, je vais essayer de les énumérer. Il y a Basket University, on a Istanbul Medipol University, on a Ufuk University, on a Fatih Sultan Mehmet University, on a Atilim University, on a Beykent University, on a Sankaya University, on a Istanbul Zaim University, on a Istanbul Aydın University et puis on a Basrin University. Voilà, donc j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc ces universités là, voilà, vous allez, une fois que vous avez vos documents, vous allez où choisir ces universités. Si vous voulez vous choisir 8 universités ou bien 10 universités comme vous voulez, en tout cas les 9 universités, vous pouvez postuler dans ces 9 universités, vous comprenez. Voilà, donc vous allez sur le site de l'université, vous allez voir là-bas les offres et les conditions pour pouvoir postuler. Donc après avoir vous expliqué, je vais vous montrer, moi je vais choisir une université, voilà, et je vais vous montrer comment est-ce que je postule à cette université pour que vous ayez au moins
des aperçus de comment ça fonctionne. Et en même temps, cela pourra vous aider aussi pour la vidéo que j'avais fait précédemment, qui est la vidéo de Denis Holland. Voilà, vous allez voir en même temps comment est-ce que il faut avoir l'admission dans une université et postuler dans cette université. Alors donc n'oubliez pas, j'espère que vous avez bien retenu. C'était moi de Samos Hospital. Si vous avez des questions, voici mon numéro. Voilà, vous pouvez aussi me joindre sur ce numéro là. Et puis c'est sur WhatsApp. À bientôt. C'était moi de Samos Hospital. Partagez-moi aussi.